Bonjour à tous. L'Allemagne est une destination peu fréquentée par les touristes français. Nous avons exploré le secteur de la forêt noire, ses paysages, ses lacs, ses villages. Et vous allez voir, cela mérite bien un séjour. Place au sommaire. Cette escapade va nous conduire de la très belle ville de Fribourg en Brisgau, en passant par les deux Brisac. Ensuite, ce sera Titissé et ses lacs. Et pour finir, de belles randonnées dans cette extravagante nature de la forêt noire. Cette virée commence du côté français du Rhin à Neuf-Brisach. Une cité fortifiée par Vauban, semblable à d'autres imaginées par ce grand bâtisseur. Même si une bonne partie de la ville a été reconstruite après la guerre, il reste encore d'anciens bâtiments militaires à l'aspect bucolique. Le long des fortifications, nous découvrons quelques œuvres originales. Et pour ceux qui aiment le street art, une exposition est proposée dans l'intérieur des remparts. Pour suivre sur quelques kilomètres le Rhin qui sépare l'Allemagne de la France, nous profitons d'un train ancien qui nous fait revivre la grande épopée du chemin de fer. On va prendre notre petit train, on va faire les touristes. Une balade au fil de l'eau nous apprend que désormais ce fleuve est le plus propre d'Europe et que les saumons y reviennent grandir. Côté allemand, l'autre Brisach se nomme Vieux Brisach. C'est une bourgade assez différente du Brisach français. Une belle porte médiévale définit l'entrée de la cité historique, un accès qui conduit sur les hauteurs de la ville, où une imposante église construite entre le XIIe et le XVe domine la vallée du Rhin. Ce premier contact avec une ville allemande nous laisse un incontestable sentiment de rigueur. Fribourg en Brisgau est un point de départ idéal pour découvrir la forêt noire. La cité affiche sa volonté de ville verte, on y trouve énormément de vélos, des tramways et peu de voitures. Le centre historique est doté d'un riche patrimoine typiquement allemand et nous avons apprécié les rues piétonnes bordées d'édifices richement ornés. La cathédrale de Fribourg symbolise plus de 7 siècles d'histoire et ses gargouilles sont remarquables. Sur sa place, un sympathique marché avec ses food trucks nous incite à déguster un traditionnel sandwich allemand. On va manger des saucisses. C'est bon, mais c'est chaud. Une des caractéristiques de la ville sont ses illustrations au sol réalisées avec des pavés colorés. Autre particularité, ces rigoles le long des trottoirs remplis d'eau propre dans lequel les habitants trempent leurs pieds un verre à la main. Une rivière coule au cœur de la cité, une véritable ambiance champêtre qui nous fait oublier que nous sommes en ville. Fribourg-en-Brisgau dégage une douceur de vivre incroyable. En plus de sa volonté écolo, la ville profite d'un microclimat avantageux puisque c'est la plus ensoleillée d'Allemagne.
Nous gagnons à présent le secteur de Titicé, dont le lac est assez touristique. Un peu plus loin, la vieille ville est plus tranquille et plus typique que les bords du lac. Nous sommes surpris d'apprendre qu'elle est jumelée avec Coulommiers en Seine-et-Marne. Dans les environs, nous nous sommes attardés dans une grande brasserie qui présente un petit musée de la bière et un bon restaurant où nous avons apprécié un plat local et surtout une délicieuse forêt noire. Bien plus grand que son voisin, le deuxième lac du secteur est aussi plus sauvage et plus tranquille. Avec ses eaux limpides, c'est un petit coin de paradis pour les amoureux de nature. La forêt noire est propice à de belles randonnées. C'est le meilleur moyen de profiter des paysages et des nombreuses cascades rafraîchissantes. Avant de parcourir la route romantique, la suite de ce séjour en Allemagne va nous conduire au lac de Constance, un secteur plein de belles villes dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, on termine par quelques belles images de cette incroyable forêt noire.